Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'avec l'équipe TV Caraïbes et puis Bombado Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Nous allons démarrer tout de suite avec information, mais avant de faire ça, équipe TV Caraïbes, je voulais remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombado Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Si c'est la première fois visiter nous, qualité d'information nous partager intéressant, ou capable toujours abonner avec TV Caraïbes et puis pas oublier ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification TV Caraïbes. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous déroulé avec information yo. En Grand Loge d'Haïti a dénoncé mairie Delma, yo dit qu'il trouble travail construction, yo a essayé faire sur un terrain, yo enfermé dans main DGI pour construire. Nous allons inviter à suivre réaction magistrat commune Delma, qui c'est Wilson Jedi sous dossier ça, qui concernait Grand Loge d'Haïti. L'autre information que pour vous, responsable bureau politique député deuxième circonscription pour le Prince-Lan, Jean-René Locha a annoncé diverses activités bioa qu'on a réalisées pour commémorer 10e année tremblement de terre qui était passé 12 janvier 2010. L'autre information que nous voulons partager ensemble avec vous, Yuna avocat qui a défendu l'État ici, M. Nouten Louis Saint-Just, fait qu'on est paquet pour le Prince-Lan à travers enquête qui a déjà ouvert sur l'institution avec les gens qui doivent au Nayo. Pendant 20 dernières années, il a découvert qu'on pile près qui paraît suspect dans la façon de transaction prête à faire. Eh bien, nous ne perdons pas de temps, nous avons commencé à couler. La situation aujourd'hui, hein, c'est nous pas trop comprendre parce que nous-mêmes francs-maçons, nous toujours respecter la loi et collaborer avec l'État. Et en tant que fermier de l'État, nous commençons des travaux sur le domaine nous, que nous avons fermé dans l'État pour nous faire des projets qui sont très intéressants pour la communauté nous, tant que la construction temple. Et nous avons des projets d'école, centre de santé, souterrain, pour nous bailler service à la communauté. Nous. Donc, c'est une préparation faite à Altagrasse le 21. J'ai remarqué nous en chantier. Et puis, nous avons un tracteur venu de la mairie de Delma, dit que. Ils ont fait un ensemble d'interventions que nous ne comprenons pas qui côté ont envie d'aller réellement. Donc, ça n'a pas rassuré tout le monde, c'est que les francs-maçons ont toujours collaboré avec l'État et en aucun cas, les francs-maçons ne peuvent jamais rentrer dans l'illégalité. Tout ça n'a pas fait, est toujours fait dans le respect de la loi et c'est ça qui fait un prend temps pour nous ranger tout à fait nous avec l'administration centrale de l'État. Qui est représenté par le ministère des Finances et DGI, qui bat nous tout papier et nous fait arpentage correctement, qui permettent que Jodia, depuis Jodia, nous avons fait travail que nous avons fait là. Mais nous commençons nos moments difficiles depuis 7 à 8 février 2019 que nous commençons le chantier. Nous avons remarqué que y a des gros travaux qui ont déjà commencé, qui sont en cours. Et tout le monde dans la communauté est capable de témoigner assistance que nous avons à chaque période dans que nous avons fait dans l'entrée scolaire pour tout le monde qui est dans le quartier, petit monde, grand monde, monde qui n'est pas capable, qui est en nécessité. Donc, toute veuve, orphelin, c'est travail maçon, franc-maçon en général. Donc, dans Gloda Rue, nous croyons que nous voulons croire que son erreur. Nous voulons croire que son erreur et nous espérons que ça ne va pas répéter encore et que bonne note est prise. Administration centrale de l'État, si nous comprenons historique, c'est pour la médaille d'Haïti. Donc, il fait partie du patrimoine administration centrale de l'État. Donc, n'importe qui qui veut venir fermier de l'État, on va parler avec DGI, qui représente l'État dans la transaction. Donc, tant que Jean, grand secrétaire Sotzili, donc en tant que juriste, je vais comprendre, l'aime gagner un certificat comme ça. Ok? Je vais gagner comme ça là. Nous avons
tout ça, c'est pas nous qui faisons. Donc, en tant que juriste et en tant que légaliste, nous ne pouvons pas prendre rien qu'un côté qui est légal. Donc. Donc, de toute façon, nous voulons comprendre jusqu'à présent, pour respect nous témoigner pour dirigeants municipalité ça qui c'est Delma, nous voulons croire que son erreur. Et puis, nous croyons qu'il y a plusieurs mouns au niveau juridique que nous connaissons qui travaillent dans la mairie, nous avons souhaité que nous ne quittions pas quitter ça arrive encore. Bon, il est simplement troublé possession. Troublé possession, il dit qui ça. Il est entré, ou pas même parler avec pièce moun. C'est garder nos matériels, des matériels de génie civil, à déployer, et puis sans qu'on soit capable de prise de contact. Donc, il faut parler avec moi. Même l'autre avis, rendre mon service, il faut parler avec moi. Sinon, il est illégal. Donc, de toute façon, je ne sais pas quoi, c'est plus penser c'est troublé ou troublé. Et pas là, il est venu. Mais comme zami l'État, et comme zami, nous sommes capables de dire collectivité territoriale. Parce que jusqu'à présent, on a fait promotion pour collectivité territoriale, qui toujours des petits problèmes. En tant que zami, collectivité territoriale, comme juriste qui a fait promotion pour collectivité territoriale, ancien secrétaire général de la délégation départementale de l'Ouest, avec nomination présidentielle, nous pas tapenté en côté qui est illégal. Donc, nous croyons que c'est pas magistrat, son héros lié. Il n'y a rien de problème effectivement entre Grand Loge et Mairie, ni non plus en Grand Orient, que nous connaissons à peine le monde là-dedans. Il a dit comme Grande Loge, il y a Grande Loge, il y a Grand Orient. C'est-à-dire que nous devons apprendre que bon bagaille comme si c'était mon problème, un dissident, un bagaille, c'est-à-dire que ne pas confondre que nous-mêmes nous avons un problème avec une institution qui vient de Loge. Nous avons un problème avec un bagaille qui vient de Grand Orient. Un problème qui vient avec Grande Loge. Rien de là. C'est-à-dire, effectivement, problème dans l'y poser, même capable de dire nous en un mot, monsieur Grand Loge, pas de rien que vous faites que de péché. Problème dans poser exactement au niveau de DGI, qui errait dans ce sens, qui pas connaît que espace là, son espace que la mairie a pu avoir là-dedans longtemps, que nous-mêmes nous avons un regard sur lui, que nous avons un projet sur lui. Nous, d'accord que DGI était capable de bailler une grande loge en espace, mais ne pas penser que nous avons tout espace, presque un hectare, sous piste. Là, nous venons, nous étions en bagarre là, nous avons ouais, une fois que nous arrivons, exactement, nous jouons que monsieur présente nos papiers. Immédiatement, nous présentons nos papiers, nous venons faire présenter, nous déplacer, parce que le bagarre y a un voie qui est illégal, parce que c'est un acte qui est signé par. Il y a un service compétent, qui c'est la DGI, qui fait une erreur, qui prend un bagage que mairie a gagné, que nous pensons que l'intérêt collectif là, il est placé avant tout intérêt individuel. C'est-à-dire, si mairie a un projet, ou bien l'État central a un projet, même si mairie a un projet, l'État central a un projet, pour projet, l'État central a supposé primer sur la mairie, parce qu'il est plus important que la mairie a toujours. C'est-à-dire, là, les grands espaces à l'arrivée, effectivement, nous avons eu un bail. Grande Loge, parce qu'ils ont taroné. Ça a été vraiment choqué, parce qu'on espace comme ça dans mon projet. Même si tu as bail, bail, tout ça, les directeurs généraux, ils disent non, il va faire. Les nourris, effectivement, nous disent oui, il fait, parce que monsieur n'est pas bien la main. Monsieur tout à fait légal. Ils disent qu'il va le retirer, il va le relayer pour retirer la quantité que bail. Parce que nous connaissons des GI. Personnellement, tu as cherché tes propres constructions, puis on retire déjà 19 à côté de l'IA. Je ne pense pas que tu as radié tout tes ça, au moins, pour une seule institution, seule partie, pour fondre l'église, on bagaille, on tape, on bagaille quelconque, on peut se faire chaos. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons un projet solide. C'est là que nous allons, avec le même problème que nous nous posons, par rapport avec mon équipe camion, bus, transporteur, qui occupait espace Cafoy au port, qui demandait nous, qui venait nous dire que Cafoy au port sont lieux transversaux entre Palais National, Port-au-Prince et Mairie Delma, via aéroport, quel que soit chef d'État, ambassadeur, tout le monde qui venait, c'est là où nous passons. Il est très difficile pour nous faire Cafoy au port,
constituer une véritable barrière pour empêcher tout international, tout le monde qui a passé, pour aller vers le palais national, pour venir constituer un obstacle pour eux dans le Kafoua. Moi, je dis au Kafoua, pas tourner pour tailler les organes. Parce que je dis que je fais là, c'est là où je suis bien. Il y a un bus pour de paix, un paquet de nous chita, avant rien, nous parler. À mon grand étonnement, nous tendons de tomber jouer non seulement l'ange là, les grands bagages, nous devons y nettoyer. Et nous avons même oublié si c'était tout espace là dans l'ange là. Et l'espace que nous devons nettoyer, c'est pas même consacré, nous devons, parce que nous sommes légalistes, parce que nous devons pour déjeuner, nous avons problème personnellement. Avant même que nous arrivions là-dedans pour essayer d'éviter conflit. Mais il n'y a pas de conflit avec Grande Loge, du tout. Rien de là. Sauf que nous revendiquons partie qui pour nous, parce qu'il se passe ça, c'est pour nous y aller, c'est-à-dire direction générale erré, les baillots, tout est ça, dans l'espace ça, moins que son absurdité que lié, que nous pouvons retirer pour Jemeria pour Bayer Loge. Mais moi-même, pas à l'entrée dans le conflit avec Loge, que DGI résout le problème là. C'est qu'elle a diminué la donne. Il diminue la donne comme le directeur général, c'est ça le dit. Mais nous-mêmes, nous devons nettoyer puis devant, pour nous être capables de mettre des puissions, mettre retirer les machines pour mettre parce que nous dit que nous ne pouvons pas dépasser. L'impôt dit après manifestation. Moi, je dis non. Pas essayer pour dire ni monde dans les paix, que vous mettez méridément en conflit avec de paix, avec Gonaïve, avec Magalhães, Dieu son mérite que nous-mêmes avons dirigé. Car fois le poids, pas qu'à faire station, c'est pas après stationner. Et le pape jamais pète, il n'y a pas qu'à jamais pète pendant là. Car fois le poids, pas constitué, il n'y a pas mal tout n'importe quel organe. Que vous avez besoin dans le sud, ou que tout le monde arrive dans le sud. Il n'y a pas pète d'Elma, il n'y a pas jamais pète pendant là. Impossible pour nous faire Kafou ça tourner au lieu pour nous faire tourner marcher en bas, ni pas des boussales pour tourner marcher, non, mais tant que ville là. Pas possible que machine nos camions retournent côté oui que nous mêmes nous dit que nous baille commande en circulation à l'argent que nous baille ici pour propre que connaît bien son manque de respect moun ça que nous baille nous dit nous baille comme là nous connaît bien ces menti au fait par la jambe de bagage et c'est pas encore un peu qui n'a pas servi ça lui connaît ça qu'a expliqué à bien et lui même tout lui pas météo là. Comment on fait là, comment on fait arriver là. On n'est pas capable d'arriver pour décider personnellement pour vous arrêter là. Et moi-même, moi, je voulais que Kafoua ou quoi nettoyer. Aussi simple que possible faire nettoyer que si tu as une circulation, gagner une charge pour débarrasser Kafoua de tout bus, quel que soit l'article transporté avec le dépassé. Nous voulons Kafoua ou quoi arrêter pour nous retourner pour nous nous allons prendre station dans Kafoua ou quoi. Mais Gandoy n'a pas dit conflit avec Mélia, du tout. Sinon, depuis le temps, on a fait la caselle. C'est-à-dire qu'il y a un papier qui est légal dans la main. Sauf que nous quittons le problème avec DGI, il y a trois terres. Parce que nous-mêmes, terres, c'est pour nous rien. Nous ne pouvons pas rentrer dans le conflit avec eux, tout autant que DGI ne pas résoudre le problème. C'est-à-dire là, nous-mêmes, ne pouvons pas mettre nous en face, nous disons que nous devons avec Grand Lord, nous devons avec Grand Orient, nous devons avec Masson. Loin de là, pas de rapport du tout, du tout, du tout. Magistrat, je dis, c'est magistrat. Tout le monde. Tout autant que nous dans la commune, nous sommes magistrats autour. Nous ne pouvons rien comme abus. Et puis, nous avons essayé d'institutionnaliser pour dire que nous avons des problèmes avec Masson, nous avons des problèmes avec Grand Orient, nous avons des problèmes avec Masson, loin de là. Nous avons des problèmes parce que déjà, nous avons un petit peu de rien. Nous avons trop, au moins, nous sommes capables de couper pour quitter le reste parti pour nous faire problèmes bagages sociaux parce qu'ils sont des jeunes qui ont un projet solide. Depuis le président Alcide, il faut regarder là. Nous avons fait un gros bâtiment, building 2004. Qui déjà en lambeau, qui sont projets pour toute zone là, il n'y a pas qu'à prendre tout le bail, il fait tout ça. Tout autant, d'ailleurs, pour continuer, il faut avoir autorisation. Si vous n'avez pas d'autorisation, il n'y a pas qu'à continuer. C'est là le problème de poser. C'est-à-dire, faire résoudre le problème de la DGI, ou DGI résoudre avec les liens, parce que moi-même, pas voyer, moi, monsieur, à nettoyer, je vais nettoyer puis devant, je ne vais pas connaître nettoyer dans la zone côté de l'OEA. C'est-à-dire, je vais jouer, je vais jouer, je me suis joué, je voulais prendre un bagage pour faire politique. Je pensais que ce n'est pas moi qui apprends. Il y a des villes, je me suis dirigé, puis je me suis dirigé à ces villes, toutes communes d'Elmar. Il y a des loges tout partout. Bon, loge qui est là, je ne sais pas quoi que ce problème de loge, grande loge et grand orient. Je ne dis pas ni grande loge, je ne dis pas ni grand orient. Moi, je connais gagner des citoyens qui sont dans la commune là. Qui ont un bagage qui ont indiqué que l'État va y que moi-même trouvé que. Yo-même, yo bien raison parce que c'est l'État qui bayol. Moi-même, ce type d'intérêt collectif là, il bafoué. Moi-même, m'a demandé que
pour déjà on gens résoudre problème non parce que va garder tout ça au détriment d'un projet de nous guerre. C'est aussi simple que ça. Mais jusqu'à présent, quand déjà pour résoudre problème non, il y a problème parce que problème pour venir mettre nous face à l'autre parce que monsieur moi me parle avec eux nous faire une blague, m'a des pièces là depuis l'année pas bien parce que il va fourrer mes points. C'est l'état de bagnole. C'est-à-dire que l'État résout si que nous dit que le directeur général dit bon, il va faire, t'es corrigé, ouais. En attendant que nous verrions lui-même, nous connaissons qui décision, parce que quand même, nous avons besoin de faire projet, parce que nous n'avons qu'à fois, nous ne pouvons pas nous nettoyer, et même Carrefour qui vient du sur, parce qu'il fait nous libérer du sur, nous parlons pas même des aimants d'espace, parce que nous avons déjà dit zone non, il y a des cochons, nous ne pouvons pas nous nettoyer, pour nous préparer l'espace, pour nous bailler nous. Qui sortit de l'autre côté pour me barrer l'espace demain, je crois que ça c'est le pouvoir central, pour qu'il barre au côté, pour lui mettre un bus qui sortit en progression. C'est pas l'année, tellement nous-mêmes sommes institutionnels. Mais qui s'est passé, côté que les gars pile perdent la vie humaine, particulièrement dans Carrefour-Feuille, et dans Rue Saint-Gérard, côté que les gars pile monde qui perdu la vie dans cette technique-là, dans différentes écoles qui étaient dans la zone, et les gars de famille qui étaient durement éplorés. Dans la famille Locha. Donc, dans l'occasion de concert avec l'église Saint-Gérard, nous avons organisé une grande messe dans la rue, hein, dimanche à partir de 4h, en mémoire de victimes. Ensuite, nous avons des expositions photos et nous avons des projections. Tout. Parce que nous disons 10 ans, c'est déjà beaucoup, mais c'est hier. Et nous remarquons que 10 ans après, il y a des efforts qui sont faits. Mais nous n'avons pas tiré leçon de ça qui t'est passé. Donc c'est peut-être ça, on a fait activité ça pour rappeler mon yo que Haïti est un pays sismique. Donc nous devons toujours prendre des précautions. Nous ne devons pas construire même gens pour nous éviter que ça qui est arrivé. Même s'il arrive encore, nous pas gain autant de pertes en vie humaine. Parce que le tremblement de terre lui-même, lui provoque des dégâts. Mais c'est des dégâts qui tuent les gens. Donc, là, nous mal construits, là, nous faisons une série de bagages qui ne pas respecter des normes. Haïti est un pays sismique, nous devons construire souvent les normes parasismiques. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons invité tout le monde pour tout paroissien, tout le monde qui était bien, mon yo perdu le 12 janvier, pour venir avec nous, pour nous rappeler mon yo que la vie a continué, mais quand même, nous ne pas oublier ça qui est passé. Et c'est peut-être ça que nous avons fait activité, ça, pour nous, demain, si on ne peut pas arriver, nous n'avons pas autant de victimes, surtout perdant vie humaine dans la population. Bon, je dis à nous tout cas fait constat, pas gagné grand chose qui change. Certes, dans la construction, il y a des efforts qui fait, mais nous avons constaté tout le monde a reconstruit. On prend même faire, il a reconstruit. Et hier, on a parlé à un camarade, quand il y a un caille qui a deux étages qui tombaient sur le rez-de-chaussée. Moun sa prend même fait ça, le dresse au lieu, il fait trois étages qu'on a sur le même rez-de-chaussée, vous comprenez? Donc, il y a faut qu'il fait dans la construction, il y a une formation qui fait, côté que moun yo prend certaines précautions, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il y a moun qui peut occuper eux, ils ont fait le même genre, ou bien ils ont fait plus mal même. Donc, c'est ça que fait pour l'autorité, pour arrêter vigilant, pour surveiller la construction, surtout, les affaires pour faire moun yo respecter les normes. Okay, yeah. Gagner pour faire une formation, pour ouvrir une formation judiciaire sous un ensemble de prêts qui été fait depuis les 20 dernières années. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous commençons à joindre des éléments sous quelques prêts douteux qui étaient attirés l'attention dès le début. Mais avant tout, il est important pour nous dire à les citoyens que l'idée, ce n'est pas que nous ne pas de faire prêt dans nous. Pas du tout. Tout le monde, pour remplir les conditions, est capable de prêt dans l'ONA. Mais il ne faut pas oublier que selon la loi organique de l'ONA, qui est datée du 28 août 1967, l'agent l'ONA, c'est pour pensionner, c'est pour assurer, c'est vous-même qui donne des priorités en matière de prêt. Toutes les fois qu'il est question de l'argent en dans l'ONA, monde qui donne des priorités, c'est monde qui est dans le système qui aujourd'hui a environ 406 000 monde. Mais ça qui est très important pour nous signaler, ou bien doit en dans le système, l'homme même qu'on est dans le système, ou à faire une factory, ou à contribuer, que son affilié, que
ou c'est yon assuré de l'ONA, mais pour capable bénéficier d'un prêt hypothécaire, il faut avoir 5 ans pour plus petit dépôtant dans le système. Non? C'est ça, décret qui a sous prêt hypothécaire, il dit. Malheureusement, il y a des gens parce que au chef, parce que yo gen pouvoir économique déjà, m'pa konnen, eh bien, yo seulement pas être un bon matin dans l'ONA, yo déclaré que y a touché, yo gen 10 000 gouttes déclaré, et puis yo payé 12% sous lui, yo tout payé 5 ans. Alors que employé qui en factory, professeur d'école, nous-mêmes là, qui journaliste, qui ou bien affilié, ou bien qui assure directement dans l'ONA, nous, a fait des prêts et. Ou bien, moins de prêts depuis 10 ans de bagage. Et c'est ça que fait me dit pour que ça, petit Joseph, petit Louis, qui est dans le système de capteur dans la factory, qui t'a bien, mais j'ai 100 000 gouttes pour un petit business pendant que il a passé mise dans la factory, eh bien, malheureusement, il n'y a pas qu'à venir. Mais c'est le monde qui gagne déjà, le monde qui gagne pouvoir, et puis qui, depuis tout temps, il a joué l'argent facile dans l'eau. Maintenant, et pour le moment, gagner une différence fondamentale nous faire entre irrégularité et violation de la loi. On pourrait par exemple qui parle même de violation de la loi, infraction pure et simple, par exemple, pour te joindre auprès dans l'ONA ou te accepter à joindre au réseau ou bal 150 000 dollars ou bal 100 000 dollars avant même de se étudier ou joindre. Ça lui-même c'est infraction ou bien ou tu utilises influence ou parce que député ou sénateur ou permettre des monde venir prêt ou ba tête ou prêt, et bien ce sont des actes de corruption. Oui, mais alors ce que il y a des monde qui m'ta dit tromper de bonne foi et je jeune monde peut-être rendre au service, je pas au courant de ensemble d'éléments et puis au prêt, mais c'est normal. Seulement ça que l'on a doit faire dans casa, c'est si toi tu es trop bas, mettez le pire ou mettez le dans ça la loi dit. Mais n'a pas remarqué que majorité prenne à parler là, c'est des prêts qui fait à un taux de 3% maximum, bien plus bas que 3%. Maintenant, l'autre exemple que nous te prenons qui fait un pile tout en actualité, c'est on prend nous estimer que douteux de bien garder. Il y a le prêt triplé, il y a le prêt syndiqué. Il y a trois institutions. On dit qu'il y a deux institutions à qui on monde. Il y a Delimart, il y a Extra Market et il y a la dame Immacula Carmen Pantave. Leur nous te mette population au courant de quelques prêts douteux parmi eux même ça, il y a des monde qui dit nous que la dame c'est la mère du sénateur La Tortue. Donc on remarque que c'est madame Carmen qui participait dans tout processus prêt. C'est pas même prêt qui est important pour nous. On dit que comment prêt ça fait arriver là. Ça fait une dit prêt douteux. La première chose c'était objectif programme. Ce programme qui est ONA Mart ONA Pharma. C'est-à-dire que pour la dame faut gagner market, faut gagner pharmacie. Par exemple, quand on prend mon extra pharma, on prend mon délimatio, il y a un market, et dans le market, il y a une pharmacie là-dedans. Mais, nous gardons, nous, madame Carmen, Immaculée Cantave, c'est construire un supermarché des goûts naïfs. Il ne peut pas gagner, il n'y a pas gagné jusqu'à présent. C'est la première remarque. Deuxième remarque que nous faisons dans le contrat, ça, on va prendre un prêt d'une manière globale. C'est que il a dit c'est pour permettre employé l'ONA joindre des avantages dans acheter produits alimentaires, dans acheter médicaments. Il y a un réseau de market avec pharmacie qui est pour agrandir, mais ça au bail là pas même couvrir 20% dans le pays. Ça dit au gain market et pharmacie au gain. Et l'autre bagaille qui est fondamental, c'est que un programme comme ça de faire objet donc, gros publicité pour que l'employé, on a connaît, assuré, on a connaît, pensionné, on a connaît. C'est un très bon exemple pour des gens qui sont grands dans l'ONA, qui font attention, qui gagnent
yon en pension qui pas même 1000 gouttes. Bon, si yon côté capable de vendre médicaments à bon marché, ce serait très bien. Mais yon pas même au courant de ça. Donc, gen yon absence de transparence totale autour de ce soi-disant programme. Je dis bon, ça, c'est yon l'autre élément de suspicion. L'autre élément, nous te découvrir, et nous maintenons ça, nous disons, c'est que si programme nan ta fait, li fait c'est pour pharmacie ak market, on nous prend l'argent, on achète zo, on produit zo avec ça, les détournements. Mais dans tête pas nous, l'on apprend que c'est maman sénateur Yuri, nous dit bon, ça, il y a des présomptions de trafic d'influence, capable de gagner détournement. Mais l'on entend des sénateurs à parler, pour nous profiter, vous remercier parce qu'il a permis l'enquête qui a avancé. Et il y a nous des éléments qui montrent effectivement que près ça est douteux et que faut effectivement la justice enquêter sur ça. Faut parquet a commencé par les sénateurs. Moi, je pense que après les latitudes de témoins, mais cette fois-ci, il faut aller directement. Malheureusement, il faut aller maman. Malheureusement, il faut aller tout le monde qui était impliqué dans Préana, Ona, dans notaire et autres pour venir explication. J'ai bien dit. Pour venir explication. Faut administration Luna et vient expliquer et opération ça et la déclaration, la récente déclaration du sénateur, il a renforcé les sanglés détournements à Paléa, il a renforcé et corruption et injustice sociale que n'a parlé en d'après. Ma ben un exemple, sénateur la tortue dit que depuis le 25 avril, il a été écrit pour Préa. Donc, maman, pas prend l'argent. C'est très bien. Maintenant, je vais préciser pour les amis téléspectateurs et auditeurs guinéens que le 17 avril, l'ONA fait un premier versement sous compte notaire séant pour 3 mounzal. On a parlé de Delimount, on a parlé de Extermarket et puis on a parlé de Madame Carmen Cantave. Et notaire a écrit, il dit, pas de problème, papier, titre de propriété, le lendemain le 18, titre de propriété Madame Carmen, yo, a vinjoué incessamment parce que yo, notaire Gonaïve l'a voué. Environ 9 jours plus tard, soit le 26 avril, l'on a fait dernier décaissement de 70 millions de gouttes. Il faut prouver les caissements de 400 millions de gouttes. Ils font un deuxième de 370 millions de gouttes. Donc, je ne comprends pas comment fait que gagner une correspondance carré 25 pour des caissements fait 26. Et ça fait me lancer un message dans mon mise en garde à mon qui n'a pas dirigé. Pour moi-même, tout document, sénateur a dit le gain, il faut la explication sur yo, il est réputé faux. Il faut la explication. D'ailleurs, pas qu'à bon dossier que l'on a ban moi. Et puis, je vais une lettre au sénateur à parler. Donc, lettre c'est pour lui, il n'y a pas de dossier. Et puis, au-delà de ça, Madame Cantave t'a donné une pension, dans l'âge pension, qui ça l'a fait? Dans une opération comme ça, il n'est pas même au courant, c'est non lieu utilisé, c'est ça, il y a abus de faiblesse, abus d'ignorance. On ne sait pas, si il y a toute lucidité. Et l'autre bagaille encore qui est important, c'est que nous ne pouvons pas poser cette question, combien près maman Yuriati, combien quoi? Sénateur a dit lui-même, maman n'a pas pris un cobla, mais lui-même là, le font prêt pour question de pour 70 millions de gouttes. Eh bien, pour prêt, ça a parlé à 770 millions de gouttes là, gagné 480 millions de gouttes pour Delimart, 220 millions de gouttes pour Extra Market et de 70 millions de gouttes pour maman Yuri la dot. Si vous comprenez, non?
Le sénateur Abraham dit dans toute déclaration, après combien de corps vraiment mal atteint. C'est 70 millions de gouttes que il te dit à prendre puis à le faire supermarché des Gonaïves. Maintenant, ça, vous comprenez. Et c'est là, la justice pour aller travailler pour le faire. Et c'est vraiment premier prêt douteux. Par exemple, je n'ai pas trop de problème avec XM Market. Après ça, je n'ai pas trop de problème avec Delimart. Il y a une market, il y a une pharmacie, il y a d'autres conditions pour déterminer que la justice cherche. Mais maintenant, non seulement nous ne savons pas remplir les conditions, c'est que c'est utiliser des manœuvres frauduleuses. Il y a un point de problème, comme si nous avons utilisé nos mamans pour dire dans les là, dans la j'ai utilisé nos mamans. Et puis, quoi la fin, qu'est-ce que c'est? Il y a eu une branche ou non. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons d'autres éléments. Au fur et à mesure, d'abord, on est sénateur à trois jours encore, pour le parler, pour le donner plus d'éléments encore, pour nous porter des éléments. Mais, ça, pour la population, on comprend, c'est que, près, maman Yuria, madame Cantal, 70 millions de gouttes, pas Yuria, sénateur Yuria, 70 millions de gouttes. Elle n'a pas de montant près. Donc, c'est-à-dire, c'est des manœuvres que vous utilisez pour être capable de joindre vos prêts dans tout ça, dans condition ça, et puis pour avec rapidité. L'argent décaissé, dans même année 2017, là, le sénateur a monté le dossier pour aller voir même 70 millions de ça. Donc, dans pile explication pour bail, sous ça, vous n'avez pas parlé. Puis, vous m'a payé tant que parquet Port-au-Prince qui a un dossier à nommer et à partir de la communication que nous avons fait avec elle pour le capable de porter ou encore relayer des gens pour une explication dans l'ONA, dans Delimart, dans XM Market et comme Mme Cantapot qui fait supermarché par là pour relayer le sénateur. Il faut que ça clarifie. Le sénateur a dit que le barbe encore, il faut mal garder qu'il est. Laisse ça entrer dans le système, non, c'est pas antidaté. Laisse ça pour nous, même si c'est des faux documents. Oui. Et il y a un autre document encore, et que le sénateur a dit que l'on a été autorisé, non promettant, changer prêt à deux supermarchés et pharmacies à production de. Donc, tout document, c'est un monde qui a accepté des certificats sur le dossier, ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a un ensemble de parlementaires, la majorité des députés, parce que au plus, qui t'est fait prendre à l'ONA pour acheter machine. Et nous dit déjà, population en soi, disant, bah, on a un mandat, il y a un mandat déjà, mais l'ONA est l'argent, malgré lié, pas l'argent pour nous faire mon pays riche. Et il y a un pile qui a de grands retards sous payer l'argent. Ça. Mais deuxièmement, au-delà de retard, c'est comme si c'est un mandat, eux, ils devaient prendre. Vous devez faire peur. Seul garantie que vous avez ce mandat. Comme le mandat, par éternel, a fini. Faut à fond, gens là, avant ce maintenant fini pour chercher l'argent, parce que pendant que vous avez payé l'ONA, pendant que la pension de l'ONA n'a pas touché, pendant que la pension de l'ONA a touché moins que 1000 gouttes par mois, mais vous-même, tout à fait fait, vous avez ici, vous avez de tout côté, et petit, vous avez un problème à l'école, vous avez un problème. Donc, nous avons un appel, ce n'est pas que nous avons un problème pour nous faire prêt, mais normal que nous prêt, mais que nous payons. Parce que ça a été comme principale garantie, ça a été le prêt à bailler, parce que nous avons dans le système, nous avons passé comme mandat pour mandat fini. Et que nous prenons disposition pour nous rembourser toute l'agence, parce que l'agence a parfait pour ça. Nous avons une nouvelle année. Nous avons une action correctionnelle que nous faisons dans le dossier ça parce que ce général fait opposition à l'État haïtien pour te dire probablement tel matériel et tel autre matériel parce que l'État, la banque, il fait prêt sur nous. Nous ne savons pas de qui doit parce que va valeur pour l'État haïtien, il n'est pas pour ce général. Et même valeur 3 que tu es venu avec elle. À la fin du contrat, faut que vous bailliez, faut quitter le politicien. De fait, nous sommes à la fin du contrat. Et sous ça, nous avons un bagage qui est extrêmement important. Gagner des gens qui ont dit que ce jeune écrasé, c'est faux. Ce jeune est une société parce que nous avons parlé de ce jeune est.
son espace étatique que ce jeune a utilisé pour le produit courant. Un siège social de sauvetage pour aller. Donc, ce jeune a toujours existé. Dans le moment où on a parlé là, n'importe qui a besoin de service dans notre général, si c'est courant, on veut acheter un baron qui va avoir notre centrale, et bien, on peut acheter courant en main, on peut acheter ça au rang. Donc, ce général, bel et bien existé, en attendant que gagner une décision judiciaire qui interdit le fonctionner. Et il y a des gens qui disent pourquoi ça, c'est ce général qui a un track, qui a un power. Et bien, il y a des gens qui disent que ni ce général ni un track, d'ailleurs, un track contre Alphine depuis 2014, ce général, dans la même situation, l'État va payer. Il n'y a pas dans la même situation, l'État va payer. Maintenant, ce général, la seule différence, comme je l'ai dit, et passez-moi ce pléonasme qui fait toute la différence, c'est que l'espace que ce général avait utilisé pour l'État haïtien, oui. Et puis l'État reprend possession. C'est une différence qui est fondamentale. Et puis, ce général a joué des privilèges vraiment, vraiment, pour tout à fait mon avis. Imaginez non seulement Mounsa ou une franchise, tout comme l'autre entreprise qui a fourni l'État courant, mais l'État permet que je nous prête dans même BNC le 30 millions de dollars pour opérer sous Varou 1. Après, nous sommes j'ai du feu suspect qui te prend dans Varou 1. Maintenant, malgré ça, on dit que pour finir payer pour y'a toujours, mais l'État, depuis en 2015, et il faut que nous comprenions, ça a commencé longtemps, dans pile document, c'est avancé, n'a pas avancé, n'a pas tant. Au moment opportun pour Lovin sous tapis à part devant la justice. Eh bien, depuis en 2015, l'État a commandé une étude côté que il a établi que Mounsa, non seulement au fin fait tout l'argent qui a été investi, il a fait trop comme. Il a fait tout comme pour faire. Et de fait, vous êtes capable de comprendre ça, c'est plus qu'un milliard de dollars que l'État ici baille sur génère seulement dans la question acheter courant. Voilà. Équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.